Mais en réalité, ce n'est pas le cas parce qu'il y a plusieurs types de hackers. Selon ils sont classifiés bien sûr selon leur intention. Il y a les white hat, en français les chapeaux blancs. Ce sont des hackers qui vont étudier un système pour détecter ses faiblesses et après divulguer ses faiblesses pour l'améliorer, etc. Il y a aussi les chapeaux noirs qui vont aussi analyser un système, l'étudier, etc. Connaître ses vulnérabilités, après exploiter les vulnérabilités du système pour faire des attaques. Il y a aussi, on a ajouté un troisième groupe qui est les chapeaux gris, qui sont entre deux. En fait, généralement, ils utilisent des méthodes pas légales, mais ils ont des bonnes intentions. C'est quand même assez illégal. On a aussi les hack activistes, qui sont des informaticiens qui font des attaques, mais pour des causes, généralement pour la liberté d'expression, contre aussi les régimes autoritaires, etc. On a le groupe qui est connu mondial, le groupe Anonymous. Et finalement, on a aussi les skipkiddies. C'est des gens amateurs qui utilisent des outils, etc., pour tester ou faire des attaques. Donc, juste avant de continuer, je vais vous laisser vous présenter puisque j'ai oublié de vous laisser la parole au début. Donc, je vais commencer avec vous, Clément Domingo. Clément Domingo, j'ai 28 ans, je viens d'avoir 28 ans, je suis ce qu'on appelle ingénieur en cybersécurité, je travaille pour un industriel et à côté de ça, je fais beaucoup de compétitions, de hacking, du bug bounty aussi. Et tout ce que vous avez vu un peu passer, bah, je me suis juste en fait plus ou moins amusé à voir est-ce que l'application Klaxoon était bien faite. Bah, apparemment, je pense que après ça, je prendrai un peu contact avec eux pour leur remonter pas mal de problèmes. Entre autres, j'ai vu une question qui m'a un peu interpellé. Est-ce que je spamme des forums, je suis hacker? Et moi, je voudrais juste vous reposer la question et peut-être après qu'on en rediscutera. Est-ce que si je commençais à spammer un site qui actuellement est totalement dans l'air du temps, un peu un site comme le Grand Débat National, est-ce que vous voyez un peu ce que ça peut faire derrière? On en reparlera tout à l'heure. Et vous, Régis, donc présentez-vous un petit Bon, peu. bonjour à tous, merci d'être là très nombreux. Donc moi je suis Régis Le Guenec, je suis consultant et j'interviens dans les universités, écoles privées, organismes de formation sur la cybersécurité. Je fais un peu de conseil aussi auprès des PME. Je suis tombé dans l'Internet et dans le numérique depuis à peu près 25 ans en créant en 1995 une association à Rennes qui s'appelle Bug, qui existe toujours sur le champ de Mars. Et puis j'ai dirigé pendant une vingtaine d'années une agence digitale qui s'appelait MBA Multimédia et qui a été pas mal sollicitée par des attaques diverses et variées sur les sites des clients. Donc ma question, ça va être, est-ce que pour être hacker, vous avez besoin forcément de compétences techniques avancées, ou est-ce que c'est finalement, ça peut être accessible à un peu n'importe qui? Alors en fait, tout dépend un petit peu déjà des profils de hackers. On a vu qu'en effet, entre un skipkiddies qui lui n'y connaît pas grand-chose, plutôt un public jeune qui va utiliser des outils qu'on peut trouver sur Internet. Donc là, en effet, ça demande assez peu de compétences. Et puis en effet, pour des cybercriminels, des mafias très bien organisées qui vont en gros embaucher des mercenaires pour pouvoir attaquer notamment des États ou des grandes entreprises du CAC 40, là clairement, il va falloir être plutôt très compétent et bien équipé. En sachant qu'en plus, on trouve de plus en plus d'outils et notamment d'exploits. C'est-à-dire en gros, ce sont des logiciels qui permettent d'exploiter une faille sur Internet. Et donc, il est de plus en plus facile aujourd'hui de pratiquer. Ouais. Donc maintenant que l'image un peu du cyberattaqueur est plus claire, je vais vous demander de nous en dire un petit peu plus sur les. On entend beaucoup parler notamment du phishing. Donc d'ailleurs, un de nos mails d'invitation à cet événement a été suspecté par la police nationale comme une cyberattaque potentielle. Donc bon, dans notre cas, c'était pas malveillant, mais ça prouve bien qu'il faut être très vigilant sur ce genre de pratique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur toutes ces techniques? Et nous expliquer très rapidement leur fonctionnement, par exemple le phishing, cheval de Troie, ransomware. Clément Domingo, par exemple, si vous avez un mot.
le sujet est assez vaste, mais pour faire assez simple, il y a pas mal de techniques en fait à faire. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, sans trop rentrer dans les détails, un espèce de classement qui est fait par beaucoup de chercheurs, des professionnels, qu'ils soient techniques ou pas, qui s'appelle un peu l'OWASP, pour Open Web Application Security Project, qui recense un peu les 10 vulnérabilités les plus utilisées par des pirates, hackers, on les appellera comme bon nous semble, et qui vont un peu lister tout ce qu'on peut faire. Donc il suffit juste de les prendre. Après, certaines d'entre elles sont plus ou moins accessibles, d'autres demandent un peu plus de compétences, de connaissances, juste en fait de choses d'assez bas niveau. Comment fonctionne un ordinateur, comment fonctionne surtout votre compilateur, comment fonctionne votre système d'exploitation pour pouvoir les faire. Après, pour le phishing, c'est quelque chose de qui va plus, on va dire, relever un peu de ce qu'on appelle du social engineering. Aujourd'hui, si je voulais récupérer des données de vos entreprises et autre chose, je ne vais pas vous attaquer directement, mais je vais commencer un peu à faire ce qu'on appelle du scan passif sur les réseaux. Tout à l'heure, ils ont parlé, mais encore plus avec un truc qui s'appelle le Google Hacking, qui est juste surpuissant. Il y a deux manières d'utiliser Google. Vous pouvez l'utiliser soit comme ma grand-mère ou mes parents, ou soit comme moi, en fait, en utilisant ce qu'on appelle les opérateurs. Les opérateurs, eux, vont vous permettre de cibler vraiment des choses que vous pourriez trouver. Et c'est vraiment par cette manière-là qu'on va commencer à prendre de l'information. Une fois trouvé un peu différente de vos informations, il y a soit des scripts que vous pouvez écrire vous-même ou des logiciels par lesquels vous pouvez passer pour envoyer des mails à des personnes, se faire passer pour d'autres personnes et comme ça, petit à petit, récupérer de l'information jusqu'à commencer à infiltrer le site web ou en tout cas le site de l'entreprise. Et une fois de plus, toutes ces techniques-là vont vraiment reposer sur une forme de persuasion sans que vous-même vous nous en rendiez compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est absolument pas la première fois dont on parle du phishing. Le phishing doit remonter déjà à 15-20 ans, mais il continue de marcher parce que l'être humain est vraiment, on va dire, le maillon faible ultime de la chaîne. Merci. Et qu'est-ce que c'est finalement le ransomware concrètement? Comment ça marche? Est-ce que vous pouvez nous donner une explication claire pour ceux qui ne connaissent pas? Un ransomware, en fait, c'est une application malveillante qui, généralement, le hacker va vous envoyer un message et dans ce message-là, il y a une pièce jointe, un PDF ou une image. Et lorsque vous cliquez sur cette pièce jointe, elle accède à votre disque dur et elle va le chiffrer totalement. Et après, vous recevez un message vous indiquant que pour déchiffrer votre disque dur, il faut payer une telle somme avant la fin d'un délai. Si vous ne le faites pas, vous ne reverrez plus vos données. Merci. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des actions de hacking qui vous ont déjà surpris ou choqué? Sur quelles institutions et pour quelles raisons? Je ne sais pas si vous avez... Il y a eu, je pense, il y a 4 ans, il y a eu le ver MyDoom. En fait, plusieurs utilisateurs recevaient un message et dans ce message-là, il y avait une pièce jointe. Lorsqu'ils cliquaient, bien sûr, le message était très personnalisé. Il y avait beaucoup de manipulations psychologiques dans le message pour vous persuader à cliquer sur la pièce jointe. Et lorsque vous cliquez sur la pièce jointe, en fait, elle installait un ver informatique dans votre machine. Le ver, la particularité d'un ver informatique, c'est qu'il se réplique. Le ver lit tout votre carnet d'adresses et après, il se réplique en envoyant le même message à tous vos contacts qui sont dans ce carnet d'adresses et vice-versa. Ça a atteint des millions d'utilisateurs dans le monde. Et après, le ver ouvre une porte qui permet à des attaquants d'installer un logiciel malveillant qui fait des attaques DDoS sur des serveurs. Peut-être aussi un autre exemple qui est un peu plus proche de nous ou pas. Il y a maintenant un peu plus d'un an et demi de ça, il y a un site qui s'appelle Ashley Madison. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Si vous ne connaissez pas, c'est bien. Si vous ne connaissez pas aussi... tant pis, en fait, il s'est passé quelque chose de très marrant. Donc, il y a eu un groupe, on les a plus ou moins identifiés. Donc, en fait, Ashley Madison, c'est un site de rencontre extra-conjugale. Donc, déjà, en fait, juste sur le principe, peut-être un peu sur le côté éthique ou pas, voilà, chacun se fera son idée. Et donc,
Ces personnes-là ont donc infiltré le site et ont récupéré toutes les données, donc toute la base de données. Et donc après, ils ont envoyé un message aux administrateurs, vraiment aux personnes du site, en leur disant bah, « faut vraiment que vous fermiez le site parce que c'est pas du tout moral ce que vous faites ». Et donc les personnes leur ont répondu « bah non, en fait, on est très sécurisé, donc c'est pas du tout ça ». Ils leur ont donné quand même un peu un espèce de moratoire et au bout d'un certain temps, ils ont diffusé cette base de données. Donc il y avait vraiment des millions de mots de passe, d'adresses mail, dont certains ici en France. Et en fait, cette affaire a vraiment eu une caisse de résonance énorme dans la mesure où il y a vraiment des très hauts dirigeants, surtout dans l'armée aux États-Unis, vraiment des personnes très haut placées qui ont dû démissionner parce qu'en fait déjà là-bas, les affaires de mœurs, ils ne badinent absolument pas avec ça. Et a fortiori derrière, il y avait... Ils ont parlé aussi un peu dans la première conférence, donc des personnes qui faisaient un peu du password reuse. Donc en fait, c'est password reuse, c'est que lorsque vous avez le même mot de passe sur 15, 20, 30 sites, donc ça veut dire que si un de ces sites-là, aussi sécurisé ou pas du tout, se fait poutrer, se fait hacker, pirater, bah, c'est assez simple d'aller tester un peu sur un peu, on va dire, le top 20, le top 100 Alexa. Donc de pas mal de sites, et forcément, bah, vous allez être piraté à votre tour. Donc en fait, cet exemple-là a vraiment une caisse de résonance assez forte il y a un an et demi de ça. Oui, pour compléter en effet, ça s'est même fini pour certains avec des suicides. Donc en effet, on voit que ce genre de fuite de données peut être dramatique. Moi, ce qui m'impressionne souvent, c'est l'ingéniosité des attaquants. Et en effet, on l'a entendu à la première table ronde qu'en effet, ils ont toujours une longueur d'avance. Moi, la grande tendance, c'est en effet l'utilisation de vos ressources matérielles, de votre ordinateur pour miner de la crypto-monnaie. Ça, c'est des choses qui sont assez récentes et qui, en gros, permettent aux pirates, suite à ce minage, de récupérer la récompense suite, en effet, à cette manipulation. Et puis, une autre histoire moi, qui m'a fait sourire, c'est l'ingénierie sociale dont on a parlé tout à l'heure, et notamment l'utilisation d'un sosie de Jean-Yves Le Drian qui a été utilisé par des Israéliens pour en gros essayer de participer au financement de la lutte contre Daesh. Et en gros, ils ont réussi à récupérer comme ça des sommes importantes avec un faux bureau de Jean-Yves Le Drian à l'Elysée, et puis en gros les premières minutes en visioconférence avec des chefs d'État, etc. Donc on voit bien que c'est des malins, que des techniques, il n'y a pas de fin, et qu'en effet on va avoir du mal à s'en dépatouiller. Et pour finir sur le phishing, aujourd'hui c'est très compliqué, puisque c'est pas parce qu'il y a un cadenas sur un site internet que vous n'êtes pas en train de discuter directement avec le pirate de façon chiffrée. Donc le seul avantage, c'est qu'au moins personne d'autre ne peut intercepter la communication. Mais à l'autre bout du fil, vous n'êtes pas assuré que ce n'est pas un pirate. Et puis, l'utilisation de jeux de caractères d'alphabets différents pour créer des noms de domaines, ça c'est aussi une tendance qui est intéressante. C'est qu'en gros, ils vont créer des noms de domaines avec des jeux de caractères qui sont par rapport à l'alphabet turc. Et en gros, moi j'ai vu des sites comme le site d'OVH avec un V qui n'est pas le V de notre alphabet. Donc en gros, l'utilisation de ce type de jeu de caractères plus le cadenas vert, je peux vous dire qu'il va falloir ouvrir les yeux. Pour continuer, est-ce qu'il existe une tendance de hacking? On a quand même un petit peu parlé des méthodes. Est-ce qu'il y a par exemple des domaines qui se font beaucoup plus attaquer que les autres ou... Un des premiers domaines assez principal, qui est d'ailleurs en fait à la portée de tout le monde, à la fois, c'est vraiment les sites web. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que c'est votre première vitrine un peu sur le monde. Peu importe ce que dans n'importe quel domaine que vous fassiez, vous avez forcément soit un site vitrine ou soit un site marchand. Donc, c'est vraiment la première cible. Après, aujourd'hui, il y a aussi de plus en plus l'avènement des objets connectés avec un peu l'IoT. Et aujourd'hui, en 2020, on estime que le nombre d'objets connectés par personne sera de 7. Donc, ce qui fait que l'IoT aussi commence à être une tendance avec les applications mobiles. Je pense aussi qu'il y a le cloud aussi, parce que comme le cloud offre beaucoup de ressources de stockage et de traitement, du coup il attire beaucoup de hackers qui veulent faire par exemple du crypto mining ou qui veulent utiliser des ressources pour faire des attaques DDoS sur des serveurs distants, etc. Ou exfiltrer aussi des données personnelles. Comme la plupart des motivations des cybercriminels, c'est l'argent. En gros, dès qu'il y a de l'argent à faire,
c'est souvent la cible. Donc, et l'argent, c'est pas que de l'argent monétaire, ça peut être des données personnelles qui ont intérêt notamment à la revente. Donc en gros, leur motivation étant plutôt pécuniaire, du coup, la cible, c'est tout simplement une cible qui dispose d'un peu d'argent sur son compte. Donc on comprend vraiment que finalement on peut tous être touchés. C'est vrai qu'on entend souvent l'argument de « oui, mais moi c'est pas grave, j'ai rien à cacher », mais finalement ça va plus loin que ça. Donc voilà pour cette partie attaque. Donc on va rentrer dans une deuxième partie, un petit peu plus défense. Quels sont les métiers qui existent autour du hacking? Est-ce que vous avez par exemple des hackers qui vous inspirent? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est vrai que les bandes de hackers sont très, très bien organisées. Il y a beaucoup de métiers. Même, je vois de plus en plus aussi de sites qui se font pirater pour tout simplement améliorer le référencement de sites malveillants dans Google, par exemple, ou dans d'autres moteurs de recherche, parce qu'il n'y a pas que Google dans la vie. Et notamment ce métier de SEO, ce métier de faire en sorte d'améliorer le référencement dans un moteur de recherche, est aussi pas mal privilégié. Donc il y a une multitude de métiers modernes, et bien évidemment, les hackers malveillants vont aussi à l'école. Se forment soit en effet sur les bancs, soit directement devant leur ordinateur. Mais en gros, il y a vraiment beaucoup de métiers différents. Il n'y a pas que des métiers technologiques ou d'ingénierie. Des fois, c'est tout simplement aussi, on a vu de la manipulation à travers l'ingénierie sociale. Donc ce côté un peu psychologique de l'être humain. Pour en citer, il y a l'ethical hacking, il y a tout ce qui est pentester, forensic engineer, etc. Aussi, pour des hackers qui m'ont inspiré, je citerai le lanceur d'alerte John Snowden, qui a courageusement divulgué, hacké la NSA et divulgué des informations et des documents sur le programme mondial de surveillance des États-Unis et des Britanniques sur la plupart des pays du monde. Je vous conseille de voir le documentaire Citizen 4, parce qu'en fait, il a contacté une journaliste qui a documenté toutes les phases de la divulgation des informations et des interviews avec John Snowden. Sinon, j'ai aussi deux personnages fictifs un peu. Il y a Lesbeth de la saga Millennium, c'est une hackeuse. Elle se bat contre une organisation qui fait du trafic d'êtres humains, trafic de femmes en Europe et surtout en Suède. Et il y a aussi, je vous conseille aussi de lire la saga Millennium, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le hacking. Et il y a la série télévisée Mr. Robot, où il y a le hacker s'appelle Elliot Alderson, qui se bat aussi, qui joue qui a plusieurs chapeaux. Il joue le chapeau blanc, le chapeau noir, et aussi il est activiste. Il se bat contre la multinationale E-Corp, Evil Corporation, qui a pollué partout dans le monde et qui a fait beaucoup de victimes, etc. etc. Voilà. Pareil, vous, est-ce que vous avez des hackers particuliers qui vous ont soit inspiré, soit choqué ou impressionné, ou pas? Des hackers qui m'ont inspiré, ce serait un bien grand terme, mais j'ai surtout eu, peut-être pour moi un peu plus personnellement, si je dois partager cette expérience, la chance de rencontrer aujourd'hui d'autres membres de mon équipe de hacking en France, Expresso. Je les ai rencontrés un peu sur les canaux IRC. Les canaux IRC, c'est un peu tout ce qui est un peu plus underground, qui sont pas un peu sur Facebook, Twitter. C'est vraiment au fur et à mesure, en discutant avec eux, des personnes qui sont du bon côté de la force, qui ont différentes compétences, qui sont aujourd'hui pour certains d'entre eux devenus des amis. Donc c'est plus comme ça, en fait, en partageant nos expériences, que l'on essaie de se tirer vers le haut. Justement se faire hacker. La naïveté déjà. C'est-à-dire en effet, il faut déjà un premier niveau d'information, comprendre un peu les enjeux, comprendre un peu les techniques et les trucs et astuces des hackers, pour que justement déjà être moins naïf, sans être parano. Ça c'est déjà le premier niveau de protection.
Puis après, ben, il y a des mesures de protection sur le comportement, des mesures de protection sur l'organisationnel, des mesures de protection sur le technique. Donc c'est un juste équilibre entre tout ça, en essayant quand même de continuer à travailler et d'utiliser le numérique normalement. Il y a plusieurs façons de se faire hacker. Comme a dit Régis, ça dépend aussi de la connaissance de la personne, de sa sensibilité aussi, de sa prise de conscience. Par exemple, si on clique sur n'importe quel lien sans vérifier, si on répond à n'importe quel message sans aussi vérifier l'identité de la personne, ça c'est des comportements à risque. C'est par exemple aussi, on patche pas les applications, on les laisse avec leurs vulnérabilités qui sont découvertes, etc. Parce que l'attaquant va faire de la reconnaissance sur vos applications qui sont installées. S'il voit que vous avez une version vulnérable, du coup, il va savoir quelles sont les vulnérabilités, puisque les vulnérabilités, elles sont diffusées sur la toile, et il va les exploiter. En termes de comportement, est-ce qu'il y a des choses qui vous marquent? Est-ce que... Parce que vous, je suppose qu'il y a des choses que vous ne faites plus, puisque vous connaissez justement toutes ces menaces. Est-ce que, justement, dans les usages quotidiens, il y a des comportements qui vous choquent, des choses qui sont importantes à savoir, à faire, qu'on ne fait pas forcément? Forcément, la réponse est oui. Après, je pense qu'il y a vraiment différents paradigmes. Le paradigme ne sera absolument pas le même si on se place un peu d'un point de vue d'une entreprise, et puis après, si on se pointe, on se place d'un point de vue d'un utilisateur lambda pour une entreprise, il y aura pas mal de choses à prendre en considération, enfin faire un peu des tests d'intrusion. Un test d'intrusion, pour faire assez simple, c'est un peu le process par lequel vous allez soumettre votre système d'information, toute ou partie de votre système d'information à certains tests techniques pour un peu assurer de sa sécurité. Après, pour un individu, en fonction que vous utilisez tel ou tel réseau social, que vous allez faire telle ou telle chose, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes comportements. Après, très personnellement, déjà, j'utilise pas trop tout ce qui est Windows et autres, même si après, enfin, j'attaque ce genre de cible, ça permet un peu déjà de maîtriser un peu plus ce que vous allez envoyer, ce que vous allez faire. Je fais presque tout en ligne de commande, mais bon, après, ça c'est peut-être des comportements un peu trop extrêmes ou pas du tout, mais je pense qu'on comprend un peu mieux ce que l'on fait quand on sait comment fonctionne un système d'information et qu'on fait pas tout simplement du click-through-drum. Voilà. Il faut aussi faire attention aussi aux informations qu'on publie sur la toile et sur les réseaux sociaux aussi, parce que ce genre d'informations sont exploitées par des hackers pour profiler la personne et faire des attaques plus sophistiquées, plus personnalisées sur la personne. Est-ce qu'il y a un moyen justement de savoir si on est contaminé ou si on a été contaminé? C'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué que l'objectif du hacker, du pirate, ça va être de faire en sorte que ça ne se voit pas. Et que ça dure le plus longtemps possible. Une attaque dans une organisation, ça peut durer de nombreux mois. Et à nouveau, l'objectif, c'est de faire en sorte que ça soit le plus transparent possible. En ingénierie sociale, l'attaque s'arrête quand l'utilisateur s'en rend compte, bien évidemment. Donc ça veut dire que moins l'utilisateur va s'en rendre compte, plus l'attaque va pouvoir durer et plus l'objectif va être atteint, quoi. C'est vrai qu'un attaquant, généralement, il va passer sur une phase d'obfuscation où il va essayer de désactiver les paramètres de sécurité, d'essayer d'éliminer ou supprimer les logs, etc., pour qu'ils ne soient pas détectables par des solutions de sécurité. Après, pour un particulier, des fois, il y a des symptômes, par exemple, sur un PC, si vous voyez des messages pop-up, si vous voyez des messages d'erreur, si votre machine ralentit précipitamment, si votre trafic Internet augmente aussi, et si votre machine crash, si par exemple le panneau de configuration de contrôle est désactivé aussi, ou si votre antivirus ou votre firewall aussi est désactivé. Du coup, c'est des symptômes un peu qui indiquent que vous êtes sous une attaque, en quelque sorte. Après, moi, je vais plus vous parler d'une petite anecdote, ou presque. Il y a quand même un moyen assez simple de savoir si on est vraiment une entreprise ou plutôt un particulier, surtout que lorsqu'on est
en déplacement, je me trimballe presque à chaque fois, en tout cas, quand je suis en déplacement avec mon PC sur moi. Mais sauf qu'il m'arrive que parfois, mon ordinateur, pour X raisons, je dois un peu le laisser à l'hôtel. Dans ces cas-là, il y a des manières très simples de savoir un peu si éventuellement certaines personnes sont venues l'ouvrir ou pour installer des choses. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un peu des opérations de diff. C'est un peu, vous prenez votre système à un instant T et puis le système à l'instant T plus 1. Donc après, quand vous allez faire les comparaisons, donc vous pouvez voir en fait s'il a été modifié. Donc s'il a été modifié, et donc, éventuellement, c'est peut-être une attaque ou autre chose. Pareil aussi sur le téléphone, il y a des solutions qui vous permettent un peu de fixer votre système à cet instant-là. Et donc vous pouvez un peu essayer de faire de ces deux manières-là. Après, plus dans une entreprise, il y a des systèmes de défense, comme ce qu'on appelle un peu des SIEM, qui permettent un peu de monitorer toute l'activité et puis qui vont même aller se focaliser sur des signaux faibles. Donc même si... parfois, comme tout à l'heure, ils l'ont dit dans la première conférence, ou ici, pour le coup, il y a un peu ce qu'on appelle des attaques qui sont très, 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 on va dire, silencieuses, mais sauf que forcément, l'attaquant, en dehors du système d'information, il aura forcément besoin de communiquer. Donc, dans ces cas-là, on peut détecter ces signaux faibles et donc lever des alertes. Quels sont les comportements justement à adopter pour se protéger, surtout pour les particuliers? D'ailleurs, est-ce que les solutions payantes qui sont proposées pour vous protéger normalement, est-ce qu'elles valent vraiment leur argent? Qu'est-ce qu'elles valent? Quels sont vraiment les comportements qu'on doit déjà adopter en termes de réflexes au quotidien? Déjà, la grande tendance, c'est les mesures de protection, la protection en profondeur. Donc en gros, c'est un ensemble de barrières, un ensemble de mesures de protection. Et c'est pas juste une seule qui permettrait de se sécuriser à 100%. Donc en gros, il y a des bases. En effet, l'antivirus peut en être une, le firewall peut en être une autre. Le fait de pas cliquer sur tout ce qui bouge et de prendre son temps et de réfléchir, tout ça, c'est des mesures de protection qui, cumulées, vont faire en sorte d'optimiser, d'améliorer et de tendre vers la sécurité, à nouveau pas à 100%, mais en tout cas, d'essayer de tendre vers cet objectif-là. Je vais peut-être un peu rebondir sur ce que Régis vient de dire. Très personnellement, en antivirus, bon, il faut ce qu'il vaut, mais un antivirus aujourd'hui, c'est juste assez illusoire en fait de se reposer totalement là-dessus pour la simple et bonne raison que les attaquants, en tout cas, il y a d'un côté les personnes qui vont créer les antivirus. Et un antivirus, pour faire assez simple, va se basé sur ce qu'on appelle un peu une heuristique. Une heuristique, c'est une espèce un peu de carte, de chemin, de pattern, d'échantillon. Donc il va essayer de détecter, par exemple, si telle ou telle action est effectuée. Sauf que les attaquants ont 5-6 coups d'avance en fait sur un antivirus. Ce qui fait aujourd'hui qu'un antivirus, c'est juste un faux sentiment de sécurité. Sauf qu'après, il y a d'autres moyens de le faire. Après, que l'on soit un peu sous... un système sous Windows, après avec toutes les déclinaisons, un système sous iOS ou quelque sous macOS, autant pour moi, ou quelque chose sur un GNU Linux, on va pas du tout avoir les mêmes attaques. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que c'est 85%, si je ne m'abuse, faudrait que je vérifie ça tout à l'heure, 85% de tous les parcs, en tout cas tous les systèmes d'exploitation qui sont utilisés sont quand même à très 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 grande partie en fait sous de Windows. Après, le restant, ça va être sur de macOS, surtout en Asie, et il y a vraiment très peu de personnes un peu comme moi, et j'imagine un peu comme Régis ou toi aussi, qui doivent un peu utiliser des systèmes qui sont sous GNU Linux. Donc ça veut dire que pour un attaquant, donc si on se projette, si on se met de l'autre côté, si je devais lancer un peu soit une attaque ou quelque chose en fait pour me faire de l'argent, je vais plus cibler des personnes qui sont sous Windows. Donc il y a beaucoup plus de chances que le virus, le malware que je vais créer puisse vous infecter que les personnes qui vont être sous GNU Linux ou sur une autre plateforme. Même si après il y a d'autres vulnérabilités qui sont aussi inhérentes à ces systèmes d'exploitation là. Pour compléter juste ce qu'il y a de dire, en effet, il existe un site qui s'appelle virustotal.com qui en gros, vous pouvez envoyer un fichier sur ce site là si vous avez un doute, et en gros il va le scanner dans à peu près 60 antivirus du marché, et en gros vous avez un voyant vert ou un voyant rouge. Donc bien évidemment, le moindre voyant rouge doit vous alerter, mais c'est pas parce que tout est vert qu'en effet, il n'y a pas de problème, puisque bien évidemment, les fabricants de virus ont aussi accès à ce site-là, et en gros, vont tester la qualité de leur virus et du fait qu'ils soient invisibles dans les antivirus avant de les propager.
Donc en effet, c'est un élément, mais c'est loin d'être, d'être l'élément principal. Je suis d'accord aussi pour l'antivirus. De toute façon, un antivirus se base sur des signatures et des bases connues, des fois. Et il ne peut pas détecter des attaques, par exemple, zero day attacks, etc. Il ne peut pas les détecter. Après, je pense que le principal, c'est tout un changement de culture, parce qu'il faudrait intégrer dans ses comportements quotidiens la sécurité. Par exemple, si on prend par exemple votre browser Chrome ou Internet Explorer, etc., la plupart des personnes ne savent pas, mais on peut dedans paramétrer plusieurs options de sécurité pour essayer d'élever le niveau de sécurité de votre connexion Internet. Par exemple, vous pouvez désactiver l'exécution de JavaScript, vous pouvez aussi supprimer les cookies lorsque vous quittez votre browser, vous pouvez aussi empêcher les fenêtres pop-up de s'afficher, vous pouvez faire aussi, vous pouvez empêcher la synchronisation de votre compte avec le browser ou bien choisir de chiffrer votre la connexion entre votre compte et le browser. Il y a pas mal de choses à faire. Sinon, pour d'autres comportements, les mots de passe aussi sont importants. Il faudrait bien choisir son mot de passe et ne pas aussi se baser sur une authentification monofactorielle qu'avec une seule méthode, avec un mot de passe. Il faut aller vers une authentification multifactorielle où vous utilisez un mot de passe. Vous avez aussi une application qui vous envoie un code que vous entrez. Vous avez aussi une passphrase aussi, etc. Parce que la plupart maintenant des mots de passe peuvent aussi être hackés facilement. Il suffit juste de voir les ressources de traitement et d'avoir les bons algorithmes et les bons outils et hacker les mots de passe. C'est vrai que sur la notion de mot de passe, on n'en a pas parlé, mais en effet, c'est quelque chose de très important. À la première table ronde aussi, on a entendu un peu les principes de logiciels qui attaquent tout seul, ce qu'on peut en effet classer aussi dans la partie attaque par force brute ou brute forcing. En gros, c'est d'essayer de forcer une serrure en essayant de passer un nombre de clés importants jusqu'à obtention de la bonne clé et ouverture de la porte. Et ça, c'est continuellement sur tous les sites internet. Aujourd'hui, notamment les sites WordPress, mais il n'y a pas que WordPress, hein, d'autres sites se font aussi brute forcer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il suffit juste de mettre des outils qui permettent de détecter ces attaques. Et vous verrez que si vous avez un site internet, il y a de grandes chances que tous les jours, 24 heures sur 24, des logiciels essayent de forcer là où les portes de façon continue. Pour rebondir sur les mots de passe, je pense qu'on a tous, à un moment donné de notre vie, eu justement 15 fois le même mot de passe sur plein de sites différents. Il existe aujourd'hui d'ailleurs des solutions telles que Dashlane ou LastPass pour gérer nos mots de passe et justement en faire des différents. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des solutions qui sont fiables? Quel est votre avis là-dessus? Il y a des gestionnaires de mots de passe qui vous permettent de diversifier votre mot de passe par rapport au type de votre connexion et les serveurs avec qui vous vous connectez. Vous aurez différents mots de passe et vous n'aurez pas à les mémoriser parce que on sait très bien que notre cerveau n'est pas capable de mémoriser plus de 12 caractères, je pense, parce que c'est difficile. Surtout que pour les paramètres d'un mot de passe, ça, les critères, c'est que il y a au moins une majuscule, des lettres minuscules, c'est alphanumérique, il y a des caractères, etc. Du coup, c'est difficile de mémoriser. Si on utilise des phrases connues, etc., il y a des attaques par dictionnaire qui permettent quand même de hacker votre mot de passe. Du coup, les managers, les logiciels de management de mots de passe peuvent être utiles. Après, il faudrait aussi chiffrer vos mots de passe aussi, parce que il suffit pas aussi d'avoir plusieurs mots de passe qui sont gérés par une application qui vous permettent d'accéder à des serveurs. Il faut aussi chiffrer ces mots de passe. Il y a aussi la notion de coffre-fort, de vault,
qui vous permet de chiffrer, de faire du chiffrement de vos mots de passe. Du coup, je pense que globalement, ces solutions sont fiables. Après, ils ajoutent une autre complexité. S'il y a une vulnérabilité dans cette application, qu'un attaquant va attaquer ces applications, ben tous vos mots de passe, etc., vont être divulgués et utilisés par les hackers. C'est un peu la solution la moins pire et nécessaire aujourd'hui du fait de la multitude d'inscriptions que vous faites à droite à gauche sur des plateformes pour le moindre besoin dans votre usage de l'Internet. Donc en gros, vous avez sûrement normalement, vous devriez avoir autant de mots de passe que d'accès à des comptes, ce qui fait quand même aujourd'hui en 2019 beaucoup beaucoup de mots de passe. Et en gros, comme vous n'êtes pas des surhumains comme moi, il va falloir stocker tout ça. Donc en effet, le coffre-fort ou le gestionnaire de mots de passe est quand même la solution la moins pire. On dit souvent que c'est plus prudent de mettre son argent dans une banque que sous un matelas, même si les banques se font attaquer. Bien évidemment, les gestionnaires de mots de passe se font aussi forcément attaquer. Et dans un bon gestionnaire de mots de passe, les mots de passe sont chiffrés à l'intérieur. Donc normalement, même si quelqu'un en effet s'introduit ou récupère les éléments, normalement, et à nouveau normalement, il ne doit pas pouvoir en faire grand-chose. Et bien évidemment, les solutions de gestionnaire de mots de passe sont plutôt fortement chiffrées. Mais en effet, tout est possible, donc la sécurité à 100% à nouveau n'existe pas. Mais c'est sûrement la solution la moins pire. Est-ce que vous avez le même avis là-dessus ou... Presque. Elle a peut-être petite nuance que je rajouterais, que l'espace, pour le coup, Régis disait, c'est aujourd'hui limite ce qu'il faut, même si après, une fois si l'espace se fait poutrer, bah, tout ce que vous avez fait, ça ne sert à rien. Donc moi, je n'utilise pas l'espace, j'utilise autre chose qui s'appelle KeePass. Donc là, par contre, c'est totalement déconnecté. Donc il n'y a que moi et moi seul qui ai accès à ça. Et par-dessus un peu de cette master key qui doit un peu faire chez moi, je pense, 72 caractères, j'ai ce qu'on appelle un token physique. Et donc ça veut dire que même si on a ce mot de passe-là, bah, si on n'a pas mon token physique, bah, on ne pourra jamais accéder à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est plus ou moins pratique. Voilà. Donc après, ça s'appelle KeePass et c'est plutôt pratique. Voilà. Après, la problématique, si vous perdez votre token, ou quelqu'un vous vole votre token. Ah oui, sauf qu'en fait, oui. Donc je peux répondre à ça, c'est une très bonne question. Mon token, en fait, c'est une YubiKey pour ceux qui connaissent. Donc en fait, sur la YubiKey, donc, vous avez possibilité de... soit d'importer ou d'exporter des clés. Donc forcément, enfin, je n'ai pas qu'une seule YubiKey, j'en ai quelques-unes qui sont quelque part en France et peut-être à l'étranger. Donc ça veut dire que même si on me vole cette YubiKey-là, je peux directement aller révoquer donc cette clé-là et utiliser d'autres pour continuer à utiliser ce même mot de passe-là, gestionnaire de mot de passe KeePass, qui abrite énormément de mes mots de passe. Ouais, KeePass, en plus, c'est une solution française qui en plus est certifiée par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc en gros qui en France essaye de protéger les organisations, en tout cas certaines. Donc c'est plutôt en effet un bon choix, notamment sur la notion d'intégrité, puisque l'intégrité d'un gestionnaire de mot de passe est plus que vitale, puisque en gros, s'il y a un malware ou s'il y a un virus dans votre gestionnaire de mot de passe, bah, tout s'effondre, quoi. Pour revenir un petit peu au sujet de tout à l'heure, si toutefois on remarque qu'on a été infiltré, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel comportement doit adopter justement si on remarque qu'on a été contaminé? Partir en courant. Sauter du bateau. Non, les réactions, déjà la première réaction dans une entreprise en cas d'attaque, c'est déjà de pas éteindre la machine, mais juste de débrancher le réseau. Ça, c'est déjà le premier réflexe. Quand vous éteignez la machine, vous supprimez les preuves. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a une investigation numérique des forces de police ou autre, ça va être compliqué si toutes les machines sont éteintes. Donc en gros, le premier réflexe, déjà, c'est de débrancher le réseau pour éviter la propagation sur l'ensemble des machines du réseau, mais de surtout pas éteindre la machine. Voilà déjà un premier réflexe. Après, à titre personnel, et ça c'est plutôt de l'anticipation, c'est déjà de faire des sauvegardes de ces données. Idéalement automatiquement, mais aussi idéalement de façon déconnectée, et là c'est là que ça se complique, puisqu'en effet avec un ransomware, si votre disque de sauvegarde il est connecté en permanence, et bien en gros il va se faire chiffrer. Hein. C'est encore plus malin que ça, c'est qu'il y a des ransomware qui vont se déclencher à une date ou sur un événement particulier. Ça fait 6 mois que le ransomware il est là, donc ça veut dire qu'il est déjà dans vos sauvegardes. Donc ça veut dire qu'il en faut plusieurs.
Voilà, donc c'est loin d'être simple. Donc en gros, si vous n'avez pas de sauvegarde, ça va être compliqué que de faire une reprise d'activité, même en tant qu'individu. Et puis après, bah, si vous maîtrisez un petit peu l'informatique, le meilleur moyen, c'est de formater le disque dur et puis de recommencer à zéro. Donc c'est un peu laborieux, mais c'est à peu près efficace. Est-ce que vous avez éventuellement autre chose à ajouter ou... Moi, je suis d'accord avec Régis. Je pense qu'il faudrait, même si on est particulier, spécialement pour les entreprises, mais même si on est un particulier, il faudrait avoir un plan de recouvrement après un désastre. C'est-à-dire tout anticiper pour que lorsqu'on est attaqué ou infiltré, pouvoir au moins être résilient, arriver à un niveau acceptable de stabilité. Après, il y a pas mal, ça dépend aussi des attaques. Si on est face à un ransomware qui vous a tout chiffré, ça va être difficile. Vous serez entre le marteau et la plume parce que ça va être difficile. Si vous allez devoir payer une rançon à quelqu'un, et ça va être des choix difficiles. Je pense qu'il faudrait contacter aussi des experts, surtout des experts du gouvernement pour avoir des conseils, etc. Dans des cas un peu très urgents. Justement, dans le cas du ransomware, quel est le comportement à adopter si jamais toutes nos données se retrouvent chiffrées comme ça, puisque bien évidemment, on n'a pas du tout envie de payer le hacker. Est-ce qu'il y a des solutions ou c'est foutu ? La sauvegarde, c'est la seule solution pour le ransomware. Bien évidemment, il ne faut pas payer parce que vous entretenez l'économie de ces mafias. Et c'est vrai que la réponse, la réaction, elle dépend de la menace. Sur un ransomware, la solution, c'est la sauvegarde. Clairement, sur du phishing, si vous faites voler votre mot de passe et que vous en rendez compte, la solution, c'est de changer tout votre mot de passe. En fait, à chaque menace, pratiquement, il y a un type de réaction qui peut être différente. L'idéal, c'est de s'en rendre compte le plus tôt possible, puisqu'en effet, de toute manière, on va tous se faire attaquer. La question, c'est de savoir quand. Et pour savoir quand, il faut savoir s'en rendre compte. Donc, c'est-à-dire que des fois, en effet, il faut mettre des systèmes d'alerte, des systèmes de surveillance. En effet, on a parlé de SIEM tout à l'heure, pour pouvoir remonter une alerte sur un comportement bizarre, pour pouvoir au plus vite réagir. Je vais ajouter encore d'autres éléments sur le ransomware. En plus, on n'est pas sûr, même si on va payer, qu'on va avoir nos données, parce que l'attaquant ne va pas s'engager à vous donner, on ne sait pas. Et pour le phishing, je pense qu'il y a des comportements aussi, il faut être très vigilant. Il faut aussi savoir détecter un message de phishing, parce que généralement, les attaques de phishing qui sont pas sophistiquées, on va trouver des erreurs d'orthographe. La personne va prendre, par exemple, votre adresse mail. Par exemple, si votre adresse mail n'utilise pas votre nom et prénom, par exemple, si vous avez un nom un peu un nom d'animal, par exemple, elle va s'adresser à cette partie-là. Par exemple, elle va dire cher chaton, etc. Parce que c'est un programme informatique et il faut aussi ne pas cliquer sur n'importe quel lien. Il faut vérifier les liens. Il suffit juste de faire passer la souris sur le lien et voir est-ce que l'URL correspond aussi au lien. Il faudrait aussi, dès que vous avez un doute, il faut demander si vous connaissez la personne qui vous a envoyé le message. Il faut lui demander aussi. Mieux que cliquer sur quelque chose ou télécharger quelque chose et l'exécuter sur votre machine qui va après faire lancer des attaques. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Moi, je dirais plutôt que, surtout quand on fait de la recherche et du développement ou qu'on s'intéresse un peu aux méthodes d'attaque, au contraire, il faut cliquer, mais il faut cliquer dans ce qu'on appelle des machines virtuelles ou des espèces un peu de sandbox où vous pouvez quand même voir un peu comment, ce qui était prévu par l'attaquant. Donc ça permet un peu, surtout après, quand vous êtes du côté des personnes qui allaient créer des systèmes de défense, des logiciels de défense après à vendre au grand public ou pour une entreprise, ça permet un peu de voir le cheminement, la manière dont ils ont pensé éventuellement. Est-ce que c'était des choses que, vos équipes, nous-mêmes, en fait, avions
avions pour le coup prévu, donc c'est assez intéressant. Donc en effet, c'est vrai que quand on est vraiment plus grand public, on ne maîtrise pas trop. En effet, ouais, enfin, soit on ne clique pas du tout, soit on ferme directement le message, mais pour des personnes un peu comme moi, pour d'autres personnes, enfin, au contraire, nous on aime bien cliquer histoire de voir ce que ça fait, mais cliquer dans un environnement qui est totalement cloisonné. Voilà. Vous êtes très informé sur toutes ces questions de sécurité en ligne. Donc, au final, comment vous vivez votre vie en ligne? Vous n'avez pas justement peur de devenir justement trop parano et finalement de plus rien faire sur Internet? Le bon équilibre, moi c'est ce que je dis souvent, c'est le bon équilibre entre la naïveté et la paranoïa, en sachant que ça évolue tous les jours, les menaces évoluent, on change aussi tous les jours, donc en gros il faut trouver le juste équilibre. On n'a pas le choix que de continuer à utiliser et à se transformer vers le numérique, en réfléchissant quand même, en faisant pas n'importe quoi. On a parlé d'objets connectés, on n'est pas obligé d'utiliser tous les objets connectés. On a aussi une vie personnelle à protéger. Donc en gros, il faut aussi un moment redescendre sur Terre, ne pas forcément utiliser tous les services où en effet c'est vous le produit. Voilà, c'est être raisonnable, conscient, réfléchir, comprendre. On a parlé en effet de compréhension. Avant d'agir, il faut comprendre. Aujourd'hui, malheureusement, on nous a aussi enfermés dans un système par rapport à l'usage du numérique où, en gros, on nous dit, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de comprendre, utilisez tout simplement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, de ce fait, personne ne comprend rien et du coup, tout le monde se fait avoir. Donc, il faut aussi essayer d'être curieux, de se renseigner sans forcément comprendre le détail technique du point virgule ou de la virgule dans le code, mais au moins qu'est-ce qu'on manipule, qu'est-ce qu'on manipule, où on met les pieds, et en gros dans quel monde on est, quoi. Je suis d'accord avec Régis. J'ajouterai aussi qu'il ne faut pas sacrifier sa liberté pour sa sécurité. Ça, c'est vachement important. Il faudrait contrôler aussi, si c'est possible, toutes les informations qu'on met sur la toile pour avoir une maîtrise sur sa vie privée, parce que les données privées, la préservation de votre vie privée est vachement importante. Dès que vous mettez des données ou des images ou des vidéos personnelles sur des plateformes de réseaux sociaux, eh bien, elles vous appartiennent pas. Il faudrait aussi lire avant de signer ou d'être d'accord avec Microsoft ou avec Facebook, etc. Il faut lire attentivement les clauses, etc., des contrats, parce que dedans, par exemple, sur Facebook, vous perdez, ou bien même sur Google, vous perdez aussi la propriété sur les données sur vos données privées. À part ça, il faut être vigilant parce que toutes les informations que vous mettez sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, on peut faire du farming sur ces informations pour vous profiler et après vous attaquer aussi en utilisant des méthodes de manipulation psychologique des méthodes pour attirer votre confiance, etc. Et vous cibler personnellement avec des attaques. Du coup, il faut être très très vigilant à ce que vous partagez sur la toile. Et vous, justement, comment vivez-vous votre vie en ligne? Vous avez continué votre activité comme avant, ou alors qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas si je suis parano ou pas, chacun se fera son idée. Moi, par exemple, j'ai de nombreux mails, en fait, et en fonction de ce que je veux faire, c'est pas du tout les mêmes choses. Et un exemple assez simple, quand je vais un peu parfois dans certaines boutiques où là on demande, enfin, soit des cartes de fidélité ou autre, quand c'est vraiment vraiment nécessaire, je donne jamais ma propre identité. Enfin, du coup, ces personnes-là n'ont pas du tout besoin. Depuis le 25 mai dernier, il y a un peu cette obligation légale, en fait. Aujourd'hui, quand on vous demande, enfin, des informations comme un peu votre numéro, votre mail, vous n'êtes pas du tout obligé de le donner, mais sauf que vous ferez vraiment l'expérience, hein. Enfin, soit de personnes à côté de vous, vous prenez un peu des amis, 90% voire 95% des personnes donneront mais les informations exactes et limite tout, alors qu'ils ont juste besoin éventuellement d'un nom et éventuellement d'un mail ou d'un numéro de téléphone. C'est aussi pareil pour des achats en ligne. Dans des achats en ligne, j'en discute avec pas mal de personnes et c'est assez terrifiant, oui et non, de voir que en fait, vous allez vraiment suivre à la lettre, mais vraiment renseigner toutes vos informations, alors qu'elles n'ont
absolument pas besoin, même si après vous allez me dire, mais oui, si on a besoin de se faire livrer autre, il y a d'autres moyens de quand même bien certifier que c'est vous qui avez fait ce tâche-là, sans pour autant donner, bah, par exemple, Clément Domingo. Boutiques e-commerce et autres qui ont vraiment ma vraie identité parce qu'ils n'ont pas du tout besoin de l'avoir. Après, sur Internet, je fais aussi ce qu'on appelle du bug bounty. Donc, ça consiste un peu à aider des entreprises à élever leur niveau de sécurité. Donc, en fonction un peu, si on devait prendre une espèce de parallèle dans les années 30, avec le shérif, qui voulait un peu mettre à prix la tête d'un fugitif, bah, plus le fugitif était recherché, bah, plus la prime qui allait être versé était élevé, et à contrario, bah, plus le fugitif n'était pas du tout connu, recherché, bah, plus en fait la prime n'était rien. Donc c'est pareil aussi pour le bug bounty, mais plus orienté côté informatique entreprise. Donc les entreprises vont mettre à disposition leur système d'information pour qu'on puisse trouver des vulnérabilités, en fonction de la vulnérabilité, avoir ce qu'on appelle des rewards. Et donc ce qui fait que j'ai beaucoup, et donc aujourd'hui j'utilise nombre d'applications qui sont utilisées public, parce que bah, première chose de sécuriser entre guillemets un peu, aussi d'améliorer le niveau de sécurité de pas mal de choses. Donc ouais, et dernière petite chose, peut-être que ça pourra vous être utile, j'imagine qu'ici dans la salle tout le monde a un compte Google, enfin moi j'en ai un peu plus d'une vingtaine, sauf que moi je n'utilise pas directement le browser Google, parce qu'en fait, je sais pas si vous le savez, ils font ce qu'ils packet inspection, donc ça veut dire que tout ce que vous allez écrire, quand vous allez envoyer un mail, automatiquement en fait c'est analysé à la volée. C'est pour ça après, enfin, soit une semaine, un mois, un an après, vous avez vraiment des choses qui sont totalement ciblées. Donc moi je passe par ce qu'on appelle des applications externes type Thunder, que ma clé GPG chiffrée, ce qui fait que Google ne sait pas en fonction du compte que j'utilise, enfin en tout cas ils vont le faire de manière beaucoup plus compliquée. Véo. Au bout de mes questions, on va passer aux vôtres. Donc, avec l'Axoon, vos outils préférés pour les particuliers? Je pense qu'on a déjà un petit peu parlé. Hein. Un gestionnaire de mots de passe, quelques ou de nombreux mots de passe qui vont avec. Le firewall, les antivirus, moi, en haut, toute une série de mesures de protection qui vont tendre vers une protection maximale. Après, on ne va pas citer de nom, de marque, mais en gros, il y a un paquet de solutions aujourd'hui qui permettent de vous protéger. Ouais. J'ai vu également passer, est-ce qu'on peut faire confiance au cloud, puisqu'on parlait de sauvegarder ses données personnelles? Justement, le cloud, c'est une solution qui est fiable, ou finalement pas tellement? Est-ce qu'on peut faire confiance au cloud? Je pense qu'on peut faire, on doit pas faire confiance à tout, en fait. On doit avoir une culture, ce qu'on appelle maintenant, c'est un nouveau paradigme qui sort, c'est zero trust, une confiance zéro sur tout. De ce fait, je pense qu'on peut, on va pas faire confiance au cloud, bien sûr. Il faudrait, avant d'aller vers le cloud, il faudrait bien sûr avoir toute une stratégie pour protéger ces données, pour avoir du chiffrement, avoir aussi, garantir aussi la disponibilité, si on est par exemple une entreprise, etc. Avoir une stratégie pour garantir la disponibilité de ces services, et aussi être conforme avec les lois, etc. Du pays dans lequel on est, parce que comme le cloud pose plusieurs problématiques, parce qu'on n'a pas la notion d'emplacement, de géographie, parce que les ressources sont un peu éparpillées partout, les responsabilités aussi, etc. Du coup, on doit aussi intégrer cette notion légale dans notre stratégie. Évidemment, le cloud apporte plusieurs avantages, puisqu'il permet en quelque sorte d'ouvrir l'écosystème informatique et de faire de la softwareisation des solutions, parce qu'avant tout était embarqué sur du matériel, la plupart des leaders mondiaux ne partageaient pas leur technologie, etc. Et là, grâce au cloud, etc., et grâce aussi à l'open source, on a cet écosystème
de services qui nous permet d'accéder à plus de services, d'accéder aussi à plus à l'open source, d'avoir de grandes ressources pour développer des logiciels, etc. Surtout lorsqu'on est en recherche et qu'on n'a pas les moyens, etc. Avoir un cloud, par exemple, pour avoir des unités, des grandes capacités de stockage et des grandes capacités de computing est vachement important et ça accélère aussi l'innovation. Vous aviez quelque chose à ajouter ou non? En fait, sur le cloud, en gros, tout dépend de ce qu'on y met. Si en effet on est une grande entreprise, on fait de la R&D, c'est peut-être pas forcément une bonne idée en termes de confidentialité. Maintenant, en effet, il est peut-être plus prudent d'utiliser des clouds avec du chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire en gros que les données que vous mettez dans le cloud, quelque part dans le nuage, ne soient pas accessibles ni visibles par l'éditeur ou le propriétaire de la plateforme. Ça, c'est un minimum. Vous mettez une coquille, vous mettez une enveloppe autour des données. Et si en effet le service de cloud fait ça tout seul de façon complètement transparente, c'est mieux. Voilà, donc c'est pareil, c'est une hygiène numérique, c'est un comportement à avoir. Il faut réfléchir en fonction aussi du risque et de ce que vous y mettez. Voilà, on est arrivé au bout de cette conférence. Merci beaucoup pour votre Merci. Intervention. Merci. Donc pour terminer, on a mis en place un petit... Donc à gagner, vous avez 5 petites figurines, donc il y aura 5 gagnants. Donc il suffit de répondre à une dizaine de questions sur les conférences. Et juste après, on a organisé également un petit cocktail, donc vous êtes tous conviés à nous rejoindre. Donc on va lancer tout de suite sur Klaxoon le quiz. Donc c'est une question de rapidité et puis de bonnes réponses. Donc il faut juste cliquer sur le petit 1 qui apparaît en haut à droite pour pouvoir commencer le quiz.